Bonjour les Simsmi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Play de Motherload qui vaut pas que cette fois que j'oublie de redémarrer mon mon minuteur. Voilà, 30. Ah bon, il y en aura 38 secondes de plus. Alors, c'est parti, donc le minuteur est en place. On est parti pour un nouvel épisode du Let's Play de Motherload avec notre petite famille qui va s'agrandir. Alors, le travail a commencé pour Elsa, suivre Elsa à l'hôpital. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais je la rejoins, vous êtes fous, j'ai jamais vécu ça. Et oui, elle y va avec son mec, qui l'assiste à la scène. Je veux voir ça, ça va être mon premier accouchement à l'hôpital. Ouais, d'habitude, je fais accoucher mes 6 mètres à la maison à la sauvage. Et ça se passe toujours très bien. Mais là, je vais aller à l'hôpital, on va bien voir ce que ça fait. J'ai jamais fait, et j'en ai vu sur des histoires, des challenges sans bébé, où la nanette, elle emmène sa 6 mètres à l'hôpital à chaque fois. Je sais pas comment elle fait, ça me saoulerait quand même au bout du 60e bébé. Je sais pas combien elle en est, je crois qu'elle en a 65. Celle-ci. Après, j'en suis un autre où elle en a beaucoup moins. Elle est juste à la deuxième génération. Et les Legacy aussi. Et du coup, j'ai un peu du mal à m'y retrouver avec qui est qui au bout d'un moment, j'avoue. Alors, l'hôpital. Je crois qu'il faut s'annoncer. Il faut s'annoncer à l'accueil. Présentation chaleureuse, présentation amusante. Elle est. Voilà. Se présenter au bureau d'accueil. Allez, tant pis, on se présente pas. On se présente au bureau d'accueil. Elle est très mal à l'aise. Oh. Très mal à l'aise parce qu'elle accouche. On sent en train d'accoucher. Oui, c'est quand même pas facile. Oh. Regarde, l'autre il se marre. Ah bah. Merci. Et lui, il fait quoi? Il va aux toilettes? Bon, pourquoi pas. Oh, il y a des salles de sport. Tiens, il peut faire sa gym. Un test d'effort sur le tapis de course. Ah, maintenant, il peut pas. C'est vraiment des trucs pour les tests. Je crois qu'il a même pas le droit d'entrer. Ah, il y a un monsieur de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait? Jouer au sport. Ah bah oui, bravo. Et donc, avec lui, je peux faire quoi? J'ai mal. Monsieur, j'ai mal. Eh, la prise en charge des mecs. Je suis tout dans le vert. Elle est prise en charge. Bon, apparemment, elle est prise en charge. Est-ce que papa peut venir? Acheter un encab si tu veux, mec. Je m'en fous, moi. Nous, tranquille, c'est la fête, tu sais. Elle va passer au couchage. Ah, le docteur. Oh, le docteur, il est pas récent. Voilà, elle se met dans la machine à accoucher. Si ça se passe comme ça, je m'affole. Ah, il y a des pinces et tout. Et lui, il est heureux, bah oui. Oh, ça se passe mal. Oh mon dieu, mon premier bébé, ils me font quoi? Oh, ça gicle partout. Oh non, je suis tombée sur un docteur amateur. Oh les gars. Ah. Alors, la naissance de Elsa vient de donner naissance à une fille. Ce bébé a besoin d'un nom. Enfin oui. On fait quoi? On fait aléatoire. Charlotte, ah non. Marie. Julie. Ouais, allez, va pour Julie. Il se passe. Il se passe rien. Plus rien ne bouge. Julie. Ah, ils m'ont sorti Julie du ventre. Oh, coucou ma chérie. Oh, j'adore ta grenouillère. Et voilà, j'ai ma fille. Et tout va bien. Oh, elle est trop marrante. Ah, mais c'est une petite fille extraterrestre. C'est pour ça qu'elle a une combine extraterrestre. Pourquoi je remets la combi toute moche? Et Julie, elle est où?
Ah bah apparemment je rentre à la maison. Get up. Mais Julie aussi elle rentre avec moi. Je vous laisse pas ma fille. Hop, on rentre. Voilà. Oh, j'ai accouché les gens. On a une petite fille. On a une petite fille. On a une petite fille. Une adorable petite fille. Yeah, yeah, yeah. Extraterrestre. Ah, je suis contente. Je suis trop contente. Le premier bébé de la maison. Notre héritière. Ah oui, ouais, on part sur un matriarcat, genre legacy matriarcat. Allez, soyons fous. Donc du coup, la première fille née est notre héritière. Voilà, donc du coup, la voie d'avenir, ben, il y aura toujours plus ou moins des extraterrestres, du gène d'extraterrestres dans ma lignée. Oui, oh, je sais pas combien de générations je vais tenir, peut-être aucune. Elle est où la petite? Elle est déjà dans le lit. Ok, ok, alors qu'est-ce que tu fais à ta fille? Serrée dans les bras, c'est très bien. Et donc du coup ça te valide un truc à toi? Devenir parent. Hey, c'est bien. Oh, le papa aussi il y va. Il va la zig. Lire avec son enfant et discuter 10 fois. Est-ce que tu peux discuter avec ton bébé? Oh, elle est trop belle l'image. Attends, attends. Soso Yangi. Ah ça. Attends. Attends, attends. Elle est trop mignonne l'image. La complicité entre le père et la fille. Hop, attends. Voilà, c'est pour l'épisode, pour la scène de l'épisode. Voilà. Oh, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop une image trop archi chou, quoi. Et donc, elle a des oreilles de maman, normale et tout, mais elle est extraterrestre quand même. Bon. Petite fille trop mignonne. Attends. Hop. Hop. Je veux une photo d'elle. Je veux qu'on la voie. Voilà, ma fille. Oh, t'es trop belle. Ah, oh, c'est mon bébé. C'est le plus beau bébé du monde. Ah, oh, t'es trop mignonne. Oh, je vais pleurer, je crois. Pendant que maman s'occupe des grenouilles, jusqu'ici, rien de plus normal. Mais toi, tu vas aller pêcher, va, tout va bien, t'es ultra heureux, t'es au comble du bonheur, machin. Tu vas aller pêcher, donc tu poses ta fille. Hein. Hop. Nettoyer, ouais, c'est pas une idée idiote. C'est pas une idée super idiote. Alors du coup, il a pêché. Ouf. Ah bah du coup, il va ramasser ça. Hop, creuser. Là, ici, il a déjà pêché. Hop, creuser. Et donc, il faut un troisième coin de pêche. Voilà. Du coup, il y a les grenouilles au passage. Bon, tant pis. Hop. Pêcher avec Appa. Et on va prendre une jacinthe. Voilà. Maintenant que maman est ultra heureuse avec sa fille. Est-ce qu'on peut discuter avec déjà bébé? Elle peut rien faire avec sa fille? Elle lui fait quoi? Serrer dans ses bras. Bah oui. Pourquoi je peux rien faire à ma fille? Hop. Parler. Est-ce que ça compte dans les parler 10 fois avec son enfant? Discuter. C'est pas parler. Ouais, ça compte pas. Faut que ce soit un enfant. On va peut-être la nourrir. Allez, on allait. Voilà. On ne verra rien. C'est intime. Ils auraient pu mettre des carreaux que au niveau de... Enfin bref, pas à son. Et moi, je suis toujours avec mes trucs d'hôpitaux. Avec mes chaussures d'hôpitaux et tout. Il n'y a pas à faire un haut. On va faire la grimace, plus de choix. Changer d'âge. Bah non. Montrer, hein. Mais non, mais c'est bon, il l'a vu sa fille. Elle dort, de toute façon. Faut lui la paix, elle dort. Va faire de la mixologie. Alors attends, parce qu'il y a le jardin à s'occuper. Ah ouais, elle est au taquet du bonheur, quoi. L'hôpital, ça vaut le coup quand même. Hein. Arroser le tout et faire évoluer. Et ici aussi, il y a à faire évoluer. Faire évoluer. Je voudrais avoir un joli jardin quand même. Arroser, c'est bon, j'ai sélectionné. Arroser, c'est bon, j'ai sélectionné. Hop. Elle y va, toujours habillée avec ses trucs d'hôpitaux là. Elle a récupéré sa silhouette quand même. Hein. Bon, ok, les trucs d'hôpitaux ne font pas honneur, mais elle a récupéré sa silhouette. On en est où, mine de rien? Après, le temps passe vite, mais quand même, faut pas abuser, on n'a pas fait longtemps. Bon, il nous reste 20 minutes. Ça. Si, le temps passe vite, hein. Y a rien à faire. Elle sifflote pendant qu'elle s'occupe de ses plantes. Oh, c'est trop mignon. Bon, après, on va faire de la mixologie, cocotte. Hein. Allez,
taquet du bonheur. Je crois que j'ai jamais vu un Sims aussi vert, quoi. Et donc, du coup, elle est quelle qualité, la plante? Elle est très bonne. C'est génial. Ah, mais du coup, il passe de très bon à quoi? Ah, très bon, ok. D'accord, ça change pas la qualité, concrètement. Ah non, elle est vraiment très bonne. Et donc là, vraiment très bonne. Ok. Et celles-ci sont très bonnes. Fertilisées. Avec... sur, du muffier. Fertilisées avec du muffier. Et celle-ci, elle est vraiment très bonne. Fleur muffier, très bonne. Ok. D'accord. Très bonne. Et du coup, elle brille. Donc, elle peut faire évoluer. Faire évoluer. Quel beau jardin. Très bonne. Bon. Non, c'est vraiment très bonne. Voilà. On va la fertiliser avec du muffier. Bah, est-ce qu'on a des sous? Bah non, on n'a pas beaucoup de sous. Parce que je ferais bien une salle de bain plus grande et une vraie chambre pour la petite, parce que du coup, là, elle a une salle de jeu. Donc, voilà. Faire évoluer, il n'y a plus rien à faire sur les plantes. Voilà, fertiliser. Avec de la jacinthe. Voilà, là, on est au taquet. On leur a tout fait. Voilà, on leur a tout fait à nos plantes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le pommier aussi. Ah non, on peut le fertiliser. Allez, fertilisons-le. Avec de la jacinthe. Voilà. Ah, Olivier a attrapé un poisson de type poisson-chat, pesant 12 kilos. Oh, et valant 47 simflouz. Pourrait-il attraper d'autres ici? Type de poisson-chat. Chrysanthème, ok. Vous attrapez le nouveau poisson, consultez le carnet, machin, d'accord, ok. Ok, ça avance bien mon histoire. Ah oui, parce qu'il a déjà attrapé. Et donc lui, il a évolué normalement. Il a attrapé 5 poissons, il faut qu'il pêche dans 10 ans. Ah, alors attendez. Il a évolué, parce qu'il est devenu pro de la pêche. Et il faut qu'il atteigne le niveau 4, et ça c'est fait. Mais du coup, il faut qu'il pêche pendant 10 heures au total. Et il faut qu'il empaille ou mette dans un aquarium 5 poissons. Ce qui est un peu déjà le cas. Mais bon, c'est pas grave, il faut le refaire, on va le refaire. Ouh là là, oh là là. Ils sont beaux ces poissons en plus. J'ai dit, c'est quoi ça? Une hématite insolite. Oh là là, c'est beau. Ah, il n'y a plus de place dans l'aquarium. Ah, celui-là, il fait 11 kilos. C'est celui-là qui fait 21 kilos. Allez, empaillé. Le poisson-chat aussi, on l'empaille. Allez, empaillé. Il faut qu'il les fasse empailler. Ah oui, ils sont déjà empaillés, du coup. Ah ouais, ça va vite à l'empaillage. Allez, dans la chambre, trop la classe. Allez, allez, hop, et puis on faut 5, donc est-ce qu'il y en a d'autres, là, de pêcher? Je crois pas. Bah, quoi, faucheux, afficheux, ce poisson, c'est moche. Mais bon, c'est marrant. Allez, est-ce qu'il chante? Faire empailler, voilà, allez, est-ce qu'il est empaillé? Ah, il vaut plus, voilà, hop. Mais pourquoi je peux pas, là? Ah, c'est la... voilà, hop. Ouh, c'est joli, les trois comme ça. Et voilà, il n'y en a pas d'autres. Donc il va continuer à pêcher. De toute façon, il faut qu'il pêche des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà, il a pas mal de choses. Il a même une carte au trésor. Je sais pas, je vais prendre des pierres plus tard avec la carte au trésor. Pour l'instant, il n'y a plus rien à ramasser. Mais de toute façon, pour rien faire là-dessus, il faut être niveau 10. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas être niveau 10 en jardinage pour inspecter ce lieu. Enfin, tout ça, toujours est-il que voilà, ça avance. Après, les champignons, il faudrait peut-être que je les prenne aussi. Hein. Oh là! Regardez ça. Hop, creuser avec les cartes au trésor. Maintenant, je sais le faire, les filles. Et j'oublie pas, vous avez vu? On va attendre qu'il ait fini de pêcher, écoutez. Hein. Elle va sur l'ordi, mais pourquoi faire? Mais non, cocotte, tu vas pas sur l'ordi, ça sert à rien. Oh, l'acte de naissance de la petite, du coup. Attendez, on va le mettre dans la chambre. Alors, mettre dans l'inventaire. Non, s'entraîner à faire des boissons, vas-y. On va mettre l'acte de naissance de la petite dans sa chambre, là. Hop. Voilà, voilà. Oh, pauvre bébé. Oh, ma petite Julie. C'est trop mignon. Hop. Attendez. Peut-être pour faire un petit montage. Avec son acte de naissance et la petite. Une photo de la petite.
Hop. Qu'est-ce que je fais? Je me comprends, je me comprends. Vous inquiétez pas. Je sais que je vous donne le tournis, probablement, mais moi, je me comprends. Voilà. Voilà. Et avec le tab en plus. Voilà, ma fille. Oh, t'es belle, ma fille. Oh, t'es belle, ma fille. Oh, je vais prendre des milliards de photos de toi. Oh, t'es trop mignonne. Oh, je suis trop fan. Bon, on va par contre vider ce truc-là parce que j'ai un peu abusé. Voilà. Mais je suis trop fan de ma fille. Et donc, toi, tu continues à faire avec ton ta tenue d'hôpital, là. Trop la classe. Elle commence à prendre le petit coup de main. Hein. Peut-être qu'elle va l'avoir, son point. Hein. Attendez, parce que je m'emballe, là. Et lui, il pêche toujours. Ouais, il pêche toujours. Et du coup, ça fait avancer ses heures de pêche. Voilà, ça fait 2 heures. Le facteur, hein. Empaillé 3 sur 5, c'est bien. Est-ce qu'il a eu d'autres trucs? Ah ouais, il en a eu. Ouais, mais j'en ai déjà un bar, j'en ai déjà empaillé un, du coup. Est-ce que je peux pas les mettre là? Non, on peut plus, hein. Il est plein, mon aquarium. Ah, je les empaille et je les vends. Empaillé. Voilà, comme ça, il a son truc. Empaillé. Voilà, et je les vends. Hop. Oui, je les vends. Voilà. Voilà, j'ai vendu mes poissons. 75, c'est une chose. Et du coup, il a avancé, mine de rien. Il lui reste plus qu'à pêcher 10 heures d'affilée. Enfin, 10 heures, en tout. Pas d'affilée. Oh, il a eu quoi? Un poisson petit poisson-chat pesant 12 kilos. Ah, vache. J'aimerais peut-être les mettre au frigo si je pouvais. Oh, il a faim. Allez, va. Et puis après, rentre à la maison. Tu iras pêcher une autre fois, tu mangeras. Oh, niveau 2, super! Donc du coup, elle, niveau boulot, elle va être opérationnelle. Niveau 2, hop, voilà! Ah mince, elle a pas commencé du coup. Tâche, préparer, manger, préparer des boissons. Bah, c'est pas ce qu'elle est en train de faire, préparer des boissons, genre. Mais ça valide pas parce que c'est juste s'entraîner, en fait. Ok. Allez, prépare des boissons. Tenir le bar, embaucher du personnel, préparer des boissons. Préparer des sa boisson préférée. Allez, prépare ta boisson préférée. Oh, ça coûte des sous. Interpréter poupée vaudou, que faut-il faire? Olivier a déterré une poupée vaudou. je sais pas moi ce qu'il faut faire avec une poupée vaudou. J'ai pas la compétence malicieuse. Mais si, lui, il est malicieux. Associé à... La poupée vaudou ne peut être associée qu'à des Sims à proximité et pas à des enfants. Ok? Tu crois que tu peux faire que du mal avec une poupée vaudou? Allez, viens ici. Viens, rentre à la maison et puis on va l'associer à... Ah, c'est encore pas le top, hein. La préparation de boisson, c'est pas encore ça. Ouh, elle est sympa, cette boisson. Bah, du coup, elle se la boit. Bah ouais, c'est sa boisson préférée, les gars. Bah allez, va se refaire à manger au lieu de faire les idiotes, là. Allez, préparer. Cuisiner. Et qu'est-ce qu'on peut lui faire cuisiner de sympa? Des biscuits effrayants. C'est Halloween, les mecs! Des tacos au poisson. Comment ça, j'ai pas de poisson? Bien sûr que j'ai du poisson, attendez. Il y a du poisson. Il y a du poisson. Nous avons du poisson. Voilà. Voilà, et du coup, si elle fait des tacos au poisson, elle va rien payer parce que... Eh ben parce qu'on a du poisson, voilà, de nous. Voilà, tacos au poisson, un légume, un poisson, et j'ai tout. Pour... du coup, ça fait en individuel... Non, on va faire pour 8, allez. Du coup, ça fait pas beaucoup de simflouz. Ah mais merde, c'est pas la bonne personne. Zut. Ah, elle a le téléphone qui sonne. Oh là là, tout va vite. C'était venir passer du temps. Ouais, ouais, si tu veux. Ok. Donc c'est elle qui va, hop, cuisiner des tacos au poisson. Voilà, pour 8. C'est elle qui doit cuisiner, mec, toi tu dois pas. Par contre, toi, elle doit être à proximité, là, maintenant. Hop, associé à... Voilà, il a une poupée vaudou associée à sa cimette. Qu'est-ce qu'il peut lui faire? Oh, attendez, attendez, attendez! Oh, c'est trop génial! C'est horriblement génial! Donc, il associe sa poupée vaudou. Donc, on va prendre une screen.
Bah, là, ça saute pas hyper aux yeux ce qu'il fait. Hein. On va faire juste. Voilà, elle est associée, elle fume même. Ah bah là, on voit bien que c'est une poupée vaudou. Hein. Bon, est-ce qu'il peut lui faire que du mal? Ou il peut lui faire du bien? Avec la poupée vaudou. Pourquoi il est pas content? Bah, associé à ses filles. Il a mis où dans son inventaire? Attendez, hop, hop. Bah elle est où? J'ai perdu ma poupée. Elle est où ma poupée? Ah, il l'a posée là. Associa, mettre dans l'inventaire. Pour l'instant, il peut rien faire d'autre que de l'associer. Bon. Il va nettoyer ça. Voilà, rends-toi utile, mec. Bon, du coup, il a sa poupée vaudou dans son truc. Mais il peut pas faire grand-chose. Ouais. Bon. Ah, mince. Il est là, lui. Hop. Présentation amusante. Voilà. Lui, il est tendu, lui. Et voilà, elle, elle va pouvoir crier à table. À table. Hop. Appeler à table. Et du coup, ça va peut-être pas marcher sur l'invité. Alors, on a découvert que Olivier Blanc était un extraterrestre. C'est normal, il se cache pas. Il aime pas ça? Une conversation profonde, allez. Et lui, il va pas manger? Parce qu'il avait faim, genre. Hop. Domiba ka, Fanachi Sarspa. Manzu. Bah pourquoi il est en colère? So. Venib Nitva. Ubarig Lire. Skuma. Yefid May. Yeah, Nibs. Parlez de bricolage, on va voir si ça l'intéresse. Elle est très concentrée du coup. Pourtant que lui, il est en colère. Il a, nous l'a mis en rogne. Ah, la petite plage. Toc toc. Allez, va t'occuper de ta fille, faut changer la couche sale. Hop. Nourrir. Changer la couche sale. Nourrir au sein. Allaiter. Plus de choix. Faire des grimaces, dos de liné, bercer. Bercer. Allez, on verra bien. Ce que ça fait. Ah bah du coup il est venu manger. Bon bah très bien. Très très bien. Très 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 bien tout ça. Et du coup si c'est un insolite il va pas marcher. Ouais, autant l'envoyer au... Envoyer au conseil généalogique. Et comment il va lui du coup? Parce que on s'en rend là. Ça va bien bien bien. Et ça, c'est des tacos de poisson. Ils sont excellents. Bon, bah, c'est bien. Maman cuisine bien. Elsa cuisine bien. Bon, bah, tout va bien avec la petite. Elle peut faire des trucs avec, du coup, parce que je crois qu'elle a pas sommeil. Parlez. Je voudrais qu'elles aient un lien imparable. Acheter un bonsaï, mais pourquoi? Attendez, je vais voir un truc. Oh. 1000, il y a des choses à 1000, hein, il y a des choses à 1000, de toute façon, bon. 1000, il y a Sims du matin, oiseau de nuit, mentor, lectrice rapide. Après, c'est des trucs un peu moins sympas. Ouais, on va attendre d'être à 1500 au moins. Ouais, on va attendre. Et lui, alors, du coup, il en a combien des points? Est-ce qu'il est satisfait? Il a 900 et tout. Ah ouais, lui, c'est pas le top. Hein. Je réalise pas tellement ses envies. Il veut faire quoi, d'ailleurs? Appeler quelqu'un au téléphone. Pourtant, c'est pas non plus méga... Voilà, discuter avec... Elle. Voilà, collègue de boulot. Et maman, bah maman, elle a envie de... rencontrer une nouvelle personne. Bon, rencontrer une nouvelle personne. Hop, elle va rencontrer la caliente qui est là. Hop, parce que moi je la connais, mais elle je crois pas qu'elle la connaisse. Présentation chaleureuse. Allez, soyons chaleureux. Parce qu'elle voulait rencontrer une nouvelle personne, elle va rencontrer une nouvelle personne. Du coup, si ça réalise son truc,
On laissait hey, quelqu'un, bah après on laisse sa chérie quand même. Oh, un autre extraterrestre. Bonsa Chow, Trina. Ah, mais est-ce qu'on est déjà Chelner. Est-ce qu'on est déjà Kiara Malansif. Ça a validé. Ah, bah si. Rencontrer une nouvelle personne au bar. Ah, au bar à cocktail. Rencontrer une histoire incroyable. Bah, on va essayer. Raconter une histoire incroyable. Mais elle s'en va. Bon. Attendez, il y a quelqu'un là. On va lui parler, on va lui raconter une histoire incroyable. Yann. Présentation chaleureuse. Honka Thori. Donc j'ai un invité, mais je m'en fous, je m'occupe des gens qui sont dehors. Paye ta logique. Alors que j'aurais pu raconter une histoire incroyable à n'importe qui. Hein. Enfin, d'ailleurs, lui, j'ai même pas la possibilité. Bon, est-ce que je peux à lui raconter une histoire incroyable? Bon, bah du coup, je vais le faire à mon invité. Voilà. Et le papa, il est où? J'ai perdu le papa. Qui est d'humeur enjôleuse fumée. Non, il est d'humeur joueuse. Oh, je suis pas cool, hein. Ah bah va pêcher, tiens. Il y a plein de gens à la pêche. Alors, pêcher avec un appât. On va en prendre quoi? On a quoi? On n'a pas grand chose de nouveau, hein. Je crois que j'ai jamais essayé à la jacinthe, tiens. Mais du coup, il est parti? Ah ouais. Non, le copain. Bah non, il est pas parti. Hop, raconter une histoire incroyable. Ah, mais c'est dur de raconter une histoire incroyable. Pourtant, c'est incroyable, mais... Voilà, faut nettoyer le plan de travail aussi. Mais du coup, il vient avec son assiette. Non, c'est des trucs sales. Oh, il y a un truc qui va pas. Ah oui, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Non, Hadès, tu me voles pas mes trucs. Ah, Blash Begoya. Mais pourquoi je peux pas lui raconter une histoire incroyable? Oh. Dag, dag. Oh, mais il s'en va. Oh, mais c'est fou de pas pouvoir raconter une histoire incroyable. Nettoyer. Nettoyer. Mettre dans le frigo. Là, il m'a mis des trucs à traîner ici. Hop, nettoyer. Nettoyer. De là, elle va pouvoir aller aux toilettes. Est-ce qu'il faut les nettoyer? Utiliser. Est-ce qu'elle a assez cuisiné pour le boulot, du coup? Je ne sais même plus. Je sais plus où j'en suis. Ah, je m'éparpille, hein. 75%, c'est pas mal. 75%, c'est pas mal. Et du coup, il se fait des copains. Ah, il a pioché un truc de ouf. Il a pêché une boîte. Non, hop. Encore une... Non, c'était une poupée vaudou. Bah, je ne sais pas ce qu'il a pêché. Ça devait être un truc sans intérêt, genre du bois. C'est juste que j'ai pas fait attention. Moi, ouais, je sais pas. Ah, mais je suis pas sur la bonne Sims. Bah, si, je suis sur la bonne Sims. Je sais pas. Je sais pas, il y a tellement de bazar maintenant que... On ne sait pas, on ne sait plus. Voilà. Namicelle va aux toilettes. Après, elle va améliorer les toilettes. Non, quand même, on va cuisiner. Hop. Ouvrir. Engager un traiteur, cuisiner, préparer des pâtisseries. Oh tiens, on va voir ce qu'il y a. Des graissins. On va faire des graissins. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Olivier a attrapé un poisson type poisson-chat. Bon, ok, cool. Il va finir au frigo. Cuisiné par madame. Faut quand même que j'aie un max de sous parce que, mine de rien, Claire Dubois... Alors, attendez. Il y a une fête. Non, j'ai pas envie d'aller à une fête. Ouh là là, la pâtisserie, c'est pas encore ça. Oups là, la pâtisserie, c'est pas encore ça. Il paraît que c'est un art de précision, la pâtisserie. Avec ma cimette, c'est compliqué. Pour la précision, tu repasseras.
Envoyer un SMS joueur, mais comment on fait? Hop. Elle, envoyer un SMS joueur. Allez, envoie un SMS joueur. Là, tu veux trouver des nouveaux métals. Mais alors, le métal, tu le trouves pas nécessairement. En plus, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est déjà le ramasser en fait. Donc, il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas des masses de trucs. Sortons et allons nous amuser. Mais non, c'était une blague. Je veux rentrer à ma maison. Jouer et ne réveiller pas le lama. Ah! Ah! Il peut faire ça. Il peut faire ça parce qu'on l'a le jeu. Hop. Jouer. Alors, changer. Remplacer. Changer de jeu. Remplacer le jeu. Ne réveillez pas le lama. Voilà. C'est qui sonne? C'est elle. Ah, c'est fini pour aujourd'hui, les Sinsmi. Je vous laisse. Ah, attendez, j'arrête ce carnage. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée avec vos Sims et de bien vous amuser, mais de vous bien vous amuser avec les miens aussi. Et j'avoue que cet épisode était un épisode de malade. Je ne sais même pas ce que je pourrais prendre comme titre tellement c'est un épisode de malade. Donc bon, bah écoutez, tant mieux, tout se goupille bien pour cette petite famille. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je me suis éclatée. Salut les Sims Me.